le logement de chacun. L'orgueil loge au premier étage. L'intrigue se place au second. Au troisième, on trouve d'usage. Les bons bourgeois, tranquilles et ronds. Au quatrième, les grisettes. La blanchisseuse, l'ouvrier. Au-dessus, la caisse et soubrette. Et le talent loge au grenier. L'ivrogne descend à la cave. Chiens et flatteurs sont à la cour. Un gourmand de commis, esclave, prend la cuisine pour ses jours. L'hôtel d'Angleterre est le gîte de plus d'un joueur dépravé. Le soldat dort dans sa guérite, mais un poète sur le pavé. Dans la grande ménagerie, tous les ours ne sont pas, dit-on. Et trop souvent de l'écurie sortent bien des fats de bon ton. Des hypocrites la cohorte assiègent le temple de Dieu. La pauvreté reste à la porte et n'a d'accès en aucun lieu. Un Midas à l'académie est tout glorieux de se voir. L'amant épris de son ami nuit et jour reste dans son boudoir. On voit le galant, la coquette, à l'hospice de la santé. Et maintes pucelles, en cachette, demeure à la maternité. Pauvre filou loge à Bicêtre, riche fripon dans un palais. À Charenton, loge peut-être, moins de fous qu'ailleurs j'en connais. Mais lorsque je loge les autres, j'entends dire à certains frondeurs, « Vraiment, vous faites des vôtres, à l'hôpital, mon pauvre auteur. »